Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui en plein milieu du trou des chiens, une espèce de cavité dans la terre. J'avais fait tomber mon téléphone, donc j'étais obligé de toute façon de descendre. Donc on va essayer d'explorer ça sans prendre trop de risques. Mais pourquoi? J'ai perdu ma lampe de poche. Mais où? Mais où? J'ai monté ce grillage là. Je suppose que ça doit être par là, parce que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Impossible de mettre la main dessus. Donc c'est une marque de lampe de poche. Franchement là j'en ai besoin. Hein. Sérieux. Hein. Faites pas les fous. Hein. Envoyez-moi une lampe de poche. Sinon je galère. Vite, vite. I need a lampe de poche. Ouais, j'ai un anglais parfait, t'inquiète. Là, Marcus, des aventures de Marcus. J'ai trouvé un truc pour toi. Son détecteur. Ouais. Qui a dit qu'il avait besoin de détecteur? Franchement. Oh, c'est ma main le détecteur. T'as vu? Je suis relou, hein. Mais sérieux quoi, tu les prends avec tes trucs là, tu peux pas les reprendre avec quand tu repars. Sérieux quoi, en pleine forêt hein. Bouteille de lait, bouteille de bière, bouteille en plastique. Si j'avais un sac sur moi je prendrais tout avec, mais j'ai pas la place là, putain. Bande de con, y'a toujours pas ma lampe de poche dans l'histoire. Ça me dégoûte. Franchement, l'humain me dégoûte à un point. Entre sa violence, sa bêtise, et de prendre la terre pour une catin, une véritable catin où tu peux faire ce que tu veux avec, ça me sort par les yeux. J'en ai marre. Partout où tu te balades, les spots urbex, la nature, n'importe où, il y a de la pollution. C'est quand même fou, quoi, de vivre avec des gens sont en fait des porcs, des gros porcs. Le trou des chiens, il y a pas mal de légendes là-dedans, sur ce lieu. C'est d'avancer. Oh la vache, c'est compliqué hein. Évoluer là-dedans. J'ai pas d'équipement bien sûr. Ouais, là ça va être compliqué. C'est joli. Je vais faire quelques clichés. Essayez d'aller voir par l'autre côté. J'ai vu qu'il y avait aussi une petite fente. Oh. Ça glisse pas mal. J'espère que ça va pas mettre plein de merde sur mes chaussures. Je vais pas galérer à remonter. On dirait qu'on peut s'enfoncer un petit peu plus. Des trucs pour ceux qui ont du matos, ce que j'ai pas du tout. À mon avis, ah, c'est. C'est joli. Et c'est très étroit. Ah, ici pour descendre sans matos, ça va être impossible. Oh! J'arrive pas de tourner. Ah, ça c'est quand même très joli. On va faire quelques clichés de ce que je peux.
puis bah, on va essayer de remonter, hein, tant bien que mal. Jusqu'en haut là-bas. Oh, mon Dieu. Bon bah ici c'est vraiment pour de la spéléo pure et dure. Ah, je vais essayer de faire quelques photos et on va se retrouver en haut. Ouh, ça n'a pas été facile de remonter. Hein. Les pieds qui glissent, le sac dans le dos. Il y a quand même une bonne hauteur. Je sais pas si on arrive à voir. Hein. Pas si focus s'adapte. Je pense que si mon téléphone il serait pas tombé dedans, j'aurais pas pris le risque d'y aller. Sans corde, sans rien. Sans assurance. Sans personne qui sait où je suis. Enfin, ça c'est un peu comme d'habitude de toute façon. Bon, ta gueule avec ta tronçonneuse toi, espèce de con. Là. D'où il tronçonne le dimanche. Mais... Voilà, une petite explo. Ça va pas recommandé à tout le monde. Pour faire de la spéléo ici, c'est pas mal. Si vous êtes spéléologue et que vous avez envie de trouver ce lieu, contactez-moi parce que celui-là, je ne veux pas le communiquer vu comme il est dangereux. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, on se dit à bientôt. Amusez-vous bien. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. C'est l'essentiel. On n'a qu'une vie. Il faut en profiter. Alors, on fait la teuf, on va explorer, on s'amuse, on s'éclate, on fait plein de trucs. Allez, bisous à compagnie, bigot !